structure n'est pas compatible. Encodage génétique 97%. Je ne le dirai qu'une fois. Je crois que c'est pas la peine. Débranchez-le. Non, même pas en rêve. Non, non, continuez. Vous disiez ? Navré, c'était étrange. Thor, vous l'avez créé ? Les Avengers ne vaincront pas Ultron. Pas seul. J'ai lu dans tes pensées et vu l'annihilation. Regarde encore. Vous ne pouvez peut-être pas vous fier à moi, mais il faut partir. Oh merde, il a réussi à soulever le marteau. Bien joué. 3 minutes. Préparez-vous. Et bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Lego Marvel Avengers. Et donc là, on va lancer la contre-attaque à l'aide des jumeaux Maximoff et de Vision. Et ça, c'est cool. Vision, elle est carrément pétée. Bon, on va arrêter de jouer avec les pièces. Je ne sais pas où faut que j'aille, peut-être à l'étage. Non plus. C'est bien avec Pietro, au moins on passe très vite et tout, on peut récupérer les pièces très rapidement sur le chemin. C'est pas par là non plus. Ah mais je suis con, il y a les... Putain, quel mongolo. Il doit y avoir les pièces à suivre, voilà. Ah, faut qu'on aille à Manhattan, on va pouvoir visiter la ville vite fait. Alors, bon, est-ce qu'il faut prendre le Quinjet? A priori oui, je dirais. Ça lance le niveau direct. Ah bah oui, bon ça va. Comme on pouvait s'y attendre de la part du très discret Tony Stark. Le Quinjet des Avengers est quelque peu plus perfectionné que ce qu'on avait au SHIELD. Il est un peu plus grand pour accueillir toute l'équipe, tout en étant aussi rapide et maniable que l'ancien modèle et... J'ai l'impression de faire de la pub. Bref, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il vous amènera en Sokovie. Tiens-toi prêt, Ultron. Les Avengers arrivent. La Sokovie. Ultron sait qu'on arrive. Le feu ennemi sera nourri. Faut pas confondre avec la Latvérie, qui est aussi un pays lié à l'univers Marvel. Ça doit pas se trouver loin l'un de l'autre, mais c'est pas le même pays quand même. La Latvérie, pour ceux qui savent pas, c'est le pays dirigé par Docteur Doom. Ou alors Docteur Fatalis. Victor Von Fatalis. On arrive bientôt à la fin déjà, hein. Vous m'excluez. Tu m'as enlevé mon monde. Je t'enlèverai le tien. Ah oui, je me rappelle de ça, c'était marrant. C'est bruit. Le bruit. Je t'adore. Mais j'ai besoin de l'autre. L'autre? Je croyais qu'elle se déciderait jamais. Finissons le travail. C'est toujours pareil.
Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Il croyait qu'elle pas parler de lui. Si vous voulez rejoindre le sommet, il va falloir dégager le chemin. Retrouvez les autres une fois sur place. D'accord. C'était pas ça, visiblement. Je suis con comme une pile. Ah, mais il s'accroche même plus. Manger le rocher, ils sont sérieux là? Ah, mais je croyais que c'était de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est un rocher qui est censé tomber. Non, mais je. Ah non, si, d'accord, il y a un rocher qui tombe, mais je suis censé l'éviter comment en fait? Là. C'est un peu le bordel quand même dans leur pays. Ascenseur, s'il vous plaît. Wow. Oh, la quantité de pièces là. Ils ont rigolé zéro sur ce coup là. Alors ok. Ah oui, si, d'accord, j'ai vu qu'il y avait une cible à droite. Et il y en a une autre à gauche. Alors là, attention. Kamehameha. Barton, on a besoin de vous sur le site de forage. Allez-y aussi vite que possible. Thank you.
Oh putain. C'est vraiment pas évident. Tu es un psychopathe. Ok, bon, a priori il y a une autre affaire. Bah pas avec elle en tout cas. Voilà, la flèche qui tient même pas dans le vide. Qui tient même pas sur le truc. On dira rien. Ça restera notre petit secret. Je croyais que c'était un truc sur lequel il pouvait s'accrocher, mais non. Ouais, les tourniquets. Donc c'est surtout les poubelles en fait qui m'intéressent. Là, faut tout leur apprendre à ces hommes, hein, sérieux. Ah, il y en avait un autre sur la partie d'avant, apparemment, je l'avais pas vu. Trop forcément. Ok. Qu'est-ce qui arrive à cette machine à laver là? Où est-ce qu'il est l'autre? Il sera dit ou pas là? Oh, putain, faut tout leur dire. Voilà, on va y arriver. C'est bête, il va me manquer un, du coup je vais pas avoir le truc complet, c'est triste. Donc là il me faut Hulk, mais ça va pas le faire. Ah, j'en ai 25 à buter, ça va, tranquille.
Non, comme ça, ça s'est fait. Waouh. Voilà, zéro. Bon ici. C'est pas bon. C'est tout. J'arrive. Je détecte des ennemis en vol vers le pont. Capitaine, des ennemis. Ils sont déjà arrivés. Ouf, joli. Alors. Captain Rogers, on a des civils sur ce pont. Foncez là-bas avant que tout ça ne s'écroule. Tiens, mon chat. Voilà. Bim. Oh merde. Je m'en fous, je suis déjà un véritable Avengers. Donc peu importe. Attention, ça va péter. Ou pas. Cette affaire, il va cimenter la zone. J'ai bien l'impression. Hop là. Je qui patouche dedans. Ah, bitch please quoi.
Steve, ces gens sont condamnés. Si Stark fait tout sauter... Je n'abandonne aucun civil. Je n'ai pas parlé de partir. Où est-ce que je retrouverai une vue pareille? Ravi que la vue vous plaise, Romanov. Elle va s'améliorer. Ouais. Elle est sortie de la naphtaline avec de vieux amis. Elle est un peu sale, mais ça devrait le faire. Et c'est la fin. Ah, presque 2 millions. Véritable Avenger. Excelsior. L'homme de main Klaue. Oh là, lui il me dit rien du tout. Ah ouais, mais c'est des trucs qu'il faut que j'achète. En plus, donc on s'en fout. Et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit très vite pour la suite de ce Let's Play sur Lego Marvel Avengers. À la prochaine les gens. Ciao.